Ces types marchent dans la rue. Deux types, toujours par deux. Donc, ma mère a dit, « Montre-lui ta main. » Le type me regarde et m'adresse un sourire moqueur. Et puis, il parle de tout le monde, et vous n'allez pas le croire. Cela m'est arrivé. J'avais 17 ans. Je suis un athée pur et dur. Moi, entrer dans un temple ou adorer, ou même faire ça, n'est pas comme ça seulement. Non, peu importe. Si, même dans la maison, une fête, quelque chose, mes parents font un rituel, je vais juste rester debout comme ça. Pas jamais comme ça. Pas possible. Vous êtes tous bien mieux que moi, sur ce plan-là. Sans rien savoir, vous faites ça facilement. Non, pas moi. Seulement comme ça. Donc, je suis dans cet état. Ma mère s'inquiète de savoir quand ma sœur aînée va se marier. Donc, deux types passent dans la rue, du nord du Karnataka. Ces types marchent dans la rue, avec un sac sous le bras. Deux types, toujours par deux, ils marchent. Donc ils passaient. Donc ma mère dit, « Appelle ces gars. Je veux savoir quand ta sœur va se marier. » Je dis, « Qu'est-ce que ces types vont te dire ?» Elle dit, « Non, appelle-les. » Je les appelle. Et ils entrent. En général, en Inde, les femmes ne donnent pas leur main à ces gens, parce qu'il y a eu des exemples où ils vont envoûter ces dames et s'en aller. Le soir, cette femme emballe tous les bijoux qu'elle a à la maison et s'en va derrière lui, sans savoir ce qu'elle fait. Elle va juste marcher comme si elle avait perdu l'esprit. Et il prend tout et elle revient deux jours ou trois jours plus tard, et elle est finie. Donc, ma mère dit, « Montre-lui ta main. » Je suis comme ça, comment lui montrer ma main? C'est ma sœur qui veut se marier. C'est moi qui dois montrer ma main. Je dis, « N'importe quoi, pas question de faire ça. Personne d'autre n'est à la maison, montre ta main. » J'ai pensé, « Ok, maintenant je vais mettre ce type en pièces. » Et je montre ma main. Et le type me regarde et, vous savez, m'adresse un sourire moqueur. Je veux juste lui faire baisser les yeux. Je ne veux montrer aucune expression sur mon visage, juste au cas où il devine quelque chose. Je dis, « Ok, dites-moi. » Et le type commence à dire des choses sur la famille. De petites choses qui ont eu lieu avant-hier. Personne ne pouvait savoir ces choses. Il pouvait te dire ce que tu as mangé au petit-déjeuner aujourd'hui. Aussi précis que ça. Sur tout le monde dans la famille. Alors, je l'observe. Mais je ne veux toujours pas croire tout ça. C'est vrai, mais d'accord, quelque chose, je n'aime pas ça. Puis il dit beaucoup de choses. Ma mère n'arrête pas de demander, « Tout ça, c'est bien, mais quand ma fille va-t-elle se marier ?» Il dit, « Laissez cette fille tranquille. La deuxième fille va se marier en mai prochain. Avant le 26 mai, elle va se marier. » Ma mère dit, « Espèce d'idiot, pourquoi parles-tu de ma deuxième fille? Quand est-ce que ma première fille va se marier ?» Il dit, « Ah, oh !» Et il se met à parler d'autre chose. Et puis, il se met à parler d'absolument tout le monde. Et vous n'allez pas le croire. Ma sœur aînée ne s'est jamais mariée, elle est devenue nonne. Et ma deuxième sœur n'avait aucune intention de se marier, elle était encore à l'université. Le 24 mai, elle s'est mariée. D'accord? L'année suivante. Et puis ma mère demande pour moi, ce garçon ne croit en rien, il ne croit pas en Dieu, il ne vient pas au temple, que va-t-il arriver à ce garçon? Et il dit, à 38 ans, il va construire un grand temple. Je dis, n'importe quoi, moi construire un temple?
Vous... Moi, construire un temple. Je n'entre même pas dans le temple. Où vais-je construire un temple? Ma mère dit, regardez-le. Comment il est? Que va-t-il lui arriver? Que va-t-il faire? Il dit, certains font paître les moutons, lui fera paître les gens. Donc, je suis un peu perturbé, parce que ce bougre sait des choses que je ne sais pas. Puis, quand les choses se sont ouvertes en moi, je voulais me donner des baffes, parce que c'était si évident, c'était tout autour de moi, je ne le voyais pas. Mais ce type qui marche dans les rues pour 10 roupies, 10 roupies c'est quoi? 10 roupies c'est 20 centimes, d'accord? C'est le tarif pour lui. Et en plus, il ne va pas demander. Si vous lui donnez 10 roupies, joyeusement, il va s'en aller. Le gars qui marche dans la rue du matin au soir, pour 10 roupies, ce gars pouvait le voir. Et moi, je ne pouvais pas. Je me suis senti si honteux. Oh mon Dieu, regardez ça. C'est ça le niveau d'inconscience, vous comprenez? C'est un fait pour toute l'humanité. C'est cela le niveau d'inconscience, ce qui est juste sous ton nez. Tu ne le vois pas. Un type qui marche dans la rue pour 10 roupies par jour, lui le voit. Donc, la vie n'est pas comme vous pensez. Elle est comme elle est. Votre effort devrait être de le voir comme elle est. Pas de constamment tirer des conclusions. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, pourquoi pas ci, pourquoi pas ça. Voyez-la juste, telle qu'elle est. Ce n'est qu'en la voyant telle qu'elle est, que vous allez ouvrir les portes de la vie et au-delà.